Comment différencier les chenilles processionnaires des autres chenilles poilues? C'est la question beaucoup trop longue à laquelle nous allons tâcher de répondre en moins d'une minute. Bon, comme on vous a déjà fait une superbe vidéo sur la reconnaissance des chenilles processionnaires, on va ici se concentrer sur celles avec qui elles sont le plus souvent confondues. C'est sûr que quand on voit ça ou ça, on a carrément envie de partir en courant. Et pourtant, aucune de ces deux-là ne sont des chenilles processionnaires. Là, c'est une Bombyx disparate, on la reconnaît grâce à ses verrues bleues et rouges. Tandis que là, c'est une Lithosie quadri, elle porte tout plein de points orange et une longue ligne blanche sur son centre. Ah tiens, la Bombyx cubrin, avec ses points blancs sur le côté là. Bon, faites gaffe quand même, elle est aussi urticante. Et enfin, la Noctuelle de la Patience, reconnaissable grâce à sa rangée de points rouges entourée de deux rangées de points blancs. Autant de caractéristiques que n'ont pas les chenilles processionnaires, regardez bien. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Observatoire des chenilles processionnaires, chenilles-risque.info. Et moi je vous dis à la prochaine!